Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et dans l'actualité, on va parler de ce bilan électrique de l'année 2018 pour la région. Bonne nouvelle pour commencer ce constat, la production est de moins en moins carbonée dans la région, grâce notamment à la fermeture de centrales à charbon et de fioul, une baisse de 23% d'émissions de CO2 par rapport à l'année 2017. RTE, le réseau de transport d'électricité qui dressait ce bilan ce jeudi, a investi 108 millions d'euros l'année dernière pour avoir un réseau le plus moderne et efficace possible. Réseau qui ne s'arrête d'ailleurs pas aux frontières françaises, puisque ce qu'on remarque aussi dans ce bilan, c'est que notre région est la première en France en termes d'échange d'électricité avec ses voisins. Alors pour parler de ce bilan 2018, présenté donc ce jeudi, Margot Sailly a rencontré Laurent Quentin-Lampin, qui est délégué régional RTE Hauts-de-France, et je vous propose tout de suite de l'écouter. Alors, en 2018, la consommation d'électricité est restée stable. Ce phénomène s'observe depuis plusieurs années et traduit finalement à la fois des usages plus importants d'appareils électriques qui sont compensés par une meilleure maîtrise de la consommation. Alors, en 2018, les Hauts-de-France ont vu leur parc de production augmenter, mais surtout se décarboner de près de 25%. Pourquoi? Parce que le parc d'énergie renouvelable a augmenté sensiblement sur la région, mais aussi on a bénéficié d'une meilleure disponibilité sur l'ensemble de la France, des barrages hydrauliques et des centrales nucléaires, ce qui a conduit finalement à avoir des émissions de carbone beaucoup moins importantes. L'actualité dans la région, c'est aussi cette question: comment lutter contre l'insalubrité et la saleté dans les villes? Dans la région, les incivilités dans les rues sont nombreuses. Alors pour lutter contre les déchets dans ces rues et les dépôts sauvages, eh bien la ville de Roubaix a peut-être trouvé une solution avec sa police municipale. Ils ont créé une brigade environnement et salubrité. Deux agents dédiés arpentent les rues pour faire la chasse aux déchets qui salissent la ville. En immersion au sein de cette brigade, dans ce reportage signé Rémi Desremeaux. Pour contrer l'insalubrité dans les rues de Roubaix, la police municipale a créé une brigade composée de deux agents qualifiés. La création de cette équipe offre aux autorités de la ville un atout supplémentaire dans le nettoyage de ces rues. Il y a un problème qu'on ne peut pas nier, qui est le problème des dépôts sauvages récurrents. On avait déjà une brigade de propreté urbaine. L'ajout d'une brigade de police municipale qui a des prérogatives plus larges, qui a une assermentation qui lui permet de couvrir plus de faits, nous donne un outil supplémentaire. Malik et Dominique sont en action depuis le 2 avril. En un mois, ils ont déjà repéré 96 dépôts sauvages. À leur palmarès s'ajoute tout ce qui peut s'apparenter à des déchets. Ça peut être une poubelle éventrée. Ça peut être des meubles sur la voie publique, des pots vides, des bidons d'huile. Tout ce qu'on met aux encombrants, on le retrouve sur la voie publique. Pour optimiser leur recherche, les deux policiers récoltent les données et indiquent sur une carte la localisation des dépôts. Donc tous les points noirs, c'est tous les dépôts sur Roubaix. Avec ces informations, la brigade connaît les zones à risque. Le nord et l'ouest de la ville sont principalement touchés. C'est dans ces zones que les policiers se dirigent pour leur patrouille. On fait le tour de toute la commune, on essaie de faire tous les quartiers, toutes les rues, on essaie de les faire, bon c'est pas évident, mais on essaie de couvrir une grande zone au niveau de la commune de Roubaix afin de vérifier qu'il n'y a pas de dépôt sauvage. C'est alors que Malik repère à ce qui s'apparente à un monde de déchets ménagers. À l'arrêt, ils suivent la procédure et rédigent un constat. On prend une photo pour joindre ça à notre main courante. Et là, on va contacter le service vivacité de la ville qui contactera la propreté urbaine afin qu'il prenne en charge ce dépôt. La brigade ne peut pas directement intervenir sur les déchets. Cette tâche est réservée à la propreté urbaine qui ramasse les détritus. Au niveau des sanctions, les policiers ne peuvent agir que sur flagrant délit. Et pour l'instant, seulement deux contraventions ont été délivrées. Et le nombre de dépôts sauvages reste encore important. C'est un vaste chantier, mais nous ne désespérons pas d'y arriver. Voilà. On est motivés, on ira jusqu'au bout.
Allez, on parle sport maintenant. Et samedi à 21h, le LOSC reçoit Angers au stade Pierre-Mauroy pour ce qui sera le dernier match à la maison de cette saison, qui restera donc à jamais dans les annales du LOSC. Que ce soit grâce au scénario improbable de cette saison à l'autre, mais aussi grâce à cette équipe de joueurs incroyables, ces révélations que sont Nicolas Pepe, Thiago Mendes ou même Zeki Sélik, qui vient lui de deuxième division turque. Ce jeudi, ici au domaine de Luchin, c'était la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. D'habitude, le club présente un joueur face aux journalistes, mais cette fois, ce sont trois d'entre eux qui sont venus dans l'amphithéâtre du domaine de Luchin. Le fameux trio d'attaquants surnommé Bip Bip, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Nicolas Pepe, trio qui ne pourra sûrement plus être aligné la saison prochaine sur le front de l'attaque des Dogs par Christophe Galtier. Les trois amis profitent donc de leurs derniers instants ensemble, comme ils l'ont fait toute l'année. Écoutez donc Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Nicolas Pepe sur ces images signées LOSC TV. C'est peut-être la dernière fois qu'on joue ensemble, mais on va profiter de ces moments. On va d'abord se concentrer sur le match d'Angers pour pouvoir gagner ce match. Et après, on verra tout ça au moment venu. Et peut-être que l'année prochaine, on sera tous là encore. Ouais, bien sûr. C'est une possibilité. Je suis pas parti. Il n'est pas parti. Jonathan Bamba, il n'est pas parti. Il n'y a personne encore qui est parti. Donc, on ne sait pas de quoi il fait demain, comme on dit ça. Mais en tout cas, on est là pour l'instant. On est là, non? Non, on est là. Hein. Merci. J'ai bien parlé. Est-ce qu'il reste un mince espoir de voir le trio Bamba, Ikoné, Pépé encore du côté du domaine de Luchin l'année prochaine? On verra bien. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et on se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash d'information.